Salut tous. Hello everybody. I hope you are in good shape. No muscle problems. Buongiorno a tutti. Spero che siete in forma. Allo grüß dich. Ich hoffe alles in Gesundheit. Bis bald. Und für meine Czech Freunde, dobrý den. Allez, we start with the warming up. Allez. Allez. Donc toujours la même chose, hein, donner de la liberté au corps, de l'amplitude, bougez bien, pensez à bien tirer les coudes derrière jusqu'à ce que les omoplates viennent bloquer le mouvement et vous laisser tomber de façon à mettre tous les muscles du corps, du dos en tension. On relâche tout, on ouvre, on écarte bien. Voilà, pensez bien à ouvrir les épaules de façon à ce que les hanches s'ouvrent aussi. Hein, n'oubliez pas, les hanches bougent comme les épaules, les coudes comme les genoux et les poignets comme les chevilles. Pensez bien à cette harmonie. Un petit peu de rotation. Allez-y. Bougez bien de l'amplitude. Voilà. Même si cet échauffement est un petit peu routinier, pensez à bien le faire, bien bouger. Voilà. Allez. On descend sur les jambes. Hein, chaque fois que je vous le dis, hein, anytime I tell you that, your weight must be on the outside line of your feet. Hein, le poids du corps est sur la ligne externe des pieds. Il peso del corpo est sous la linea esterna dei piedi. Hein? Ihre Gewicht muss über ihre außere Linie, ihre Füße drücken. Allez. Et on repousse bien les genoux sur l'extérieur. I push outside with my elbows, my knees outside. And I move, and I send my knees in the direction of my toes. Allez, slowly. Down, down, as much as I can. Descendez bien. Allez, on tend et on redescend maintenant pour étirer les ischio-jambiers. Bougez bien. Écartez le plus possible les jambes. De façon à donner de l'amplitude et de la liberté aux muscles. Aïe. Talon joint et on descend bien. Un petit peu les hanches. Allez, pour les coudes, bien donner de cette liberté aux coudes. Étirez bien les poignets. Allez, de façon à travailler sur les ouvertures, sur les extensions. Allez, on reprend notre petit exercice d'hier pour les poignets, les bras bien en extension. Hein. Voilà, the arm ausbreiten. Allez, et on ferme, on ouvre les poignets le plus possible. We close, we open the hand as much as we can. Small finger, ring finger, middle finger, index, thumb. Pensez à bien fermer les doigts dans l'ordre. Tendez, ouvrez. Allez. Pitch. Ni. Son. Chi. Oh. Ok. Chich. Ach. Chu. Chu. Pitch. Ni. Son. Chi. Oh. Ok. Chich. Ach. Chu, chu, ch, ni, son, chi, po, ok, chich, ach, chu, chu. Allez, flexion, extension complète. Ach, ni, son, chi, po, ok,
Chich, Hatch, Chu, Chup, Hatch, Nay, Song, Chi, O, Ok, Chich, Hatch, Chu, Chu. Allez, on relâche bien les poignets, bien droit. Allez, et on laisse tomber. Allez, un petit peu la tête pour la remettre en mouvement. Ok, allez, et on attaque notre échauffement avec le Ken. Toujours la même chose. Hein. Bon, vraiment, ces sensations d'être bien positionné sur le sol, hein, de faire les plus grands mouvements possibles avec les chevilles, sans que les talons et les genoux et les orteils se relèvent. Hein. When I do this exercise, I have to move on my ankle as much as I can, but the toes on the heels must not go up. I have to keep my feet completely down. And when I close my hands, I have also to close my toes to have a good grab, to have a good position on the floor. Allez, on est parti. Hein, je vous rappelle, I remember when I lift up my hands, quand je lève les mains, la force est dans le petit doigt. Quand je frappe, la force passe dans l'index de façon à transférer toute la force jusqu'à la pointe du sabre. Hein. When I lift up my hands, the craft, the power is in the little finger. When I cut, I send my power through my arms and my fingers to the tip of the sword. Ok, allez. Aïch, Nim, Song, Chi, O, Op, Chich, Aïch, Chu, Chup, Aïch, Nim, Song, Chi, O, Op, Chich, Aïch, Chu, Chup, Aïch, Nim, Song, Chi, O, Op, Chich, Ach, Chu, Chup, Ach, Nei, Song, Chi, O, Op, Chich, Ach, Chup, Chup, Ach, Nei, Song, Chi, O, Op, Chich, Ach, Chu, Chup, Ach, Nay, Song, Chi, O, Op, Chich, Ach, Chup, Chup, Ach, Nay, Song, Chi, O, Op, Chich, Ach, Chup, Chup, Aïch, Nei, Song, Chi, O, Op, Chich, Aïch, Chup, Chou. Super, allez, on relâche. Relâchez toujours dans le relâchement les mouvements sans crispation. Enlevez les crispations du corps de façon à durer. Take off the tense of your body to stay clear when you practice. Bougez bien, relâchez bien le dos, les hanches. Allez, on change. Main gauche, jambe gauche devant, right, left hand, left foot forward. Focus your attention on your grab. Keep your fingers anytime over the wood. On the wood, keep the grab. Don't open your finger. Aïch, aïch, nei, song, chi, o, op, chich, aïch, chu, chup, aïch, nei, song, chi, o, op, chich, aïch, chu, chup, aïch, nei, song, chi, o, op, chich, ach, chu, chup,
Song Chi Ol Ok Chich Hach Chu Cho. Super, super. Travaillez bien en amplitude. Pensez à faire de grands mouvements. Hein? Just try to see to do the biggest movement you can to improve your body. Don't close it. Hey, pour les épaules. Kirigaishi. Hey, aich, nei, san, chi, o, op, shich, aich, chu, chu, aich, nei, san, chi, o, op, shich, aich, chu, chu, aich, nei, san, chi, o, op, shich, aich, chu, cho. Allez, on change de côté. On essaye, même chose avec la main gauche devant, pied gauche devant. Same thing with the right, left foot forward, left hand forward. Kiri Kaishi. Hai, aich, nei, san, chi, o, op, shich, aich, chu, chu, aich, nei, san, chi, o, op, shich, aich, chu, chu, aich, nei, san, chi, o, op, shich, aich, chu, chu. Super, super. Relâchez bien, relâchez bien. Allez, on souffle deux secondes. Hein. A small break, two, three seconds. Pensez à bien souffler. Hein, c'est to breathe out your hair from the pulmon, for the lungs. To take out the bad air from the lungs. Allez, ensuite d'une main, je descends, je lâche une main. Je descends, je lâche une main, je descends, je lâche une main. When I strike, I take off one hand to give power in the forearm. Hein, juste pour avoir la puissance dans l'avant-bras. Hein, lascio una mano per avere forza nell'avambraccio e nel polso. Vado su, giù, su, giù. Mais quand je fais ce mouvement, les deux mains ont la même puissance. Je me concentre sur la main qui ne porte pas le sabre. I focus my attention on the hand which has not the sword. Allez, on est parti. Aich, nei, san, chi, o, op, shich, aich, chu, chu, aich, nei, san, chi, o, op, shich, aich, chu, chu, aich, nei, san, chi, o, op, shich, aich, chu, chu, aich, nei, san, chi, o, op, shich, aich, chu, aichu. Super, très très bien. Voilà, donc relâchez bien les poignets, relâchez bien tout le corps. Allez, on prend pour s'échauffer les jambes. Hein, donc pour Shomenuchi, je recule la jambe avant
et je ravance en frappant. Je recule, je frappe. Les mains bien au-dessus de la tête et je frappe. Bien au-dessus de la tête et je frappe. Hein? Rappelez-vous hier cette notion de ki hatsuitai, de façon à faire bien l'esprit, le corps en même temps. Ki hatsuitai. Bien droit, bien positionné. Allez, bien concentré. Allez, c'est parti. Aïch! Nain! Sam! Chi! Om! Op! Chich! Aïch! Chu! Chu! Aïch! Nain! Sam! Chi! Om! Op! Chich! Aïch! Chu! Chu! Aïch! Nain! Sam! Chi! Om! Op! Chich! Aïch! Chu! Chu! Aïch! Nain! Sam! Chi! Om! Op! Chich! Aïch! Chu! Chu! Aïch! Nain! Sam! Chi! Om! Op! Chich! Aïch! Chu! Aïchu! Super! Très très bien! Très très bien! Super! Allez, et on va faire un petit exercice, hein, où on fait Shirogiri, le coup dans les quatre directions. Alors, quand on a le pied droit devant, on fait Kaite. Quand j'ai le pied gauche devant, je renvoie le pied gauche sur la gauche et je tourne à 90 degrés. Dès que je de nouveau, j'ai le pied droit devant, Kaite, jambe gauche et je me place. En essayant de rester sur le même point central, de façon à bien travailler sur l'attitude, la position et le centrage du corps. Voilà, vous connaissez, on va aller lentement. Donc, Shirogiri. Aïe, aïe, Nain, Sam, Chi, Om, Op, Chich, Aïe, Chu, Chu, Aïe, Nain, Sam, Chi, Om, Op, Chich, Aïch, Chu, Chu, Aïch, Nain, Sam, Chi, Om, Op, Chich, Aïch, Chu, Chu, Aïch, Nain, Sam, Chi, Om, Op, Chich, Aïch, Chu, Chu. Très bien, super. Voilà, donc faites bien attention aux objets à côté de vous. Donc, ce sont des bons exercices pour avoir conscience de l'espace dans lequel on travaille, de la longueur du sabre. It's a good exercise to understand how long is a fold. And I have to control the distance forward, backward. Le plus important, c'est de ne rien toucher, de bien faire attention. Allez, on continue, on reprend notre petit exercice des quatre positions. Mugamae, Kuraidachi, Kesagiri, Shomenuchi, Chiki. Quand je suis, j'ai fini mon Kesagiri, hein, c'est Kaishi, Kiriwaki, voilà. Shirogiri, pam, voilà. Allez. Allez, on y va. Mugamae. Kuraidachi. Aïch! Bien positionné. Les coudes sur les hanches. Bien positionné. Légèrement fléchi. Les coudes dans la direction des hanches. Les mains tiennent très fort. La pointe du sabre devant les yeux. Ok? Ouais.
quando siete in questa posizione, i gomiti devono essere sulle anche, in maniera molto forte, e la punta della spada davanti agli occhi. Wenn ich diese Übung mache, mein Ellbogen müssen über meine Hüfte sein und die Spitze meines Schwerts ist vor meinen Augen. Okay? Ich muss nicht meinen Kopf drehen, immer nach vorne. Meinen Kopf muss nie bewegen. Für Kesagiri, ich gehe nach oben. Und Kesagiri. Show mein Uchi. Et Chuki. Allez, on est parti. Allez, halt! Nein! Sam! Chim! Kamaite! Halt! Nein! Sam! Chim! Et on reprend. Bien positionné. Concentrez-vous. Hein. Le corps, l'esprit, dans l'instant où vous bougez. Il faut vraiment réduire le temps de la pensée et du geste. Dès qu'on pense, on bouge. Halt! Nein! Sam! Chim! Kamaite! Halt! Nein! Sam! Chim! Kamaite! Halt! Nein! Sam! Chim! Ok. Et comme je fais souvent, je vais introduire le tenkan, hein. From now, I am going to tell you tenkan. When you hear tenkan, I want to see you doing this movement, but the upper body does not move. Huh? If I am here and I tell you tenkan, I move. And the arms do not move. Attention à ce qui se passe autour de vous. Attention aux distances. Hein, s'il faut réduire un peu, allonger, faites en sorte de ne rien toucher. Take care of the thing around you. You have to touch nothing. That's the most difficult thing. That's called technique. To move in small place, not with a large space to do whatever we want. Aïe. Concentré. Bien droit. Vous avez le droit de vous tromper, c'est pas très grave. Mais essayez de bien répondre aux questions. Aïe. Aïe. Mei. Son. Chi. Kamaite. Tenkan. Halt! Nein! Son! Chi! Kamaite! Tenkan! 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 Halt! Nein! Son! Chi! Kamaite! Halt! Nein! Tenkan, Sam, Chi, Kamaite, Aich, Nei, Sam, Chi, Kamaite, Tenkan, Aich, Nei, Sam, Chi, Tenkan, Kamaite, Aich, Nei, Sam, Chi, Kamaite, Aich, Tenkan, Nei, Sam, Chi, Kamaite. Super, très très bien, perfect. Voilà, et on va attaquer maintenant la deuxième série. On refera un peu la première série dans la semaine. Ah, we are going to start a second suit of kata, which is called in Japanese ura dachi. Okay, when uke attacks, he has a sword on the right side, asso kamae or jodan kamae. Okay, and after shomen uchi, we are not going to do that. We are just going to do uke tori. Well, the premier kata s'appelle men. Omote ou men tachi zuke. Men is the face. Tachi, c'est le boken, et zuke veut dire coller en japonais. Suke. Alors, voilà. Donc je colle mon sabre sur la face du partenaire.
D'accord ? Les attaques sont Shomen Uchi. D'accord ? Voilà, on verra un kata un peu différent, mais normalement, c'est Shomen Uchi. Et quand je fais Shomen Uchi, je passe au-dessus de la tête. D'accord ? Pas directement au-dessus de la tête. Voilà. Donc, quand le partenaire, l'autre partenaire a fait le mouvement, je lance la sabre et je viens mettre mon, les mains croisées, les pieds croisés pour bien avoir un soc et les mains le plus bas possible. Les mains ferment bien et je viens mettre les coudes sur les hanches et la tête qui protège ici, vraiment sous le sabre. Je m'enfile un peu, là, vous voyez bien. Voilà, ici. Et ensuite, je repousse le partenaire. Donc on y va, on fait deux temps. H, ni, som. Men, tachi, zuke. Ou men, omote, tachi, zuke. Trois temps, excusez-moi, trois temps. Je lance le sabre. Je glisse, je disparais dessous. Et ensuite, je repousse. Allez, c'est parti. Men, tachi, zuke. Aïch, ni, son. Aïch, ni, son. Voilà, pensez bien avoir la sensation d'être puissant, comme hier dans Ashibala Yukibone, vraiment cette sensation où je peux lever une jambe bien puissante sur les appuis. Voilà, pensez à ça, vos attitudes, le plus droit possible. Aïch, ni, son. Aïch, ni, son. Aïch, ni, son. On va essayer, comme toujours, de faire les deux premiers temps en un seul temps, hein, from now. The two first position in one technique, in one movement. Hein, les deux premiers positions, les facciamo nella position. And the erste zwei position in eins jetzt. Eins! Et la sensation, c'est d'avoir la plus grande détermination. Aller sur l'avant. Hein. I must focus my attention to go as much as I can forward, to jump forward. Hein, devo essere molto concentrato per andare il più di possibile in avanti. Con forza. Ok? Mit mehr Bestimmung muss ich nach vorn gehen. Ein richtiger guter Kontakt mit meinem Partner zu nehmen. Ai, ai, nee. Ai, ai, nee. Pensez bien à mettre la tête sous le sabre, pas devant, sous le sabre, bien relâché, et les mains le plus bas possible, pas vers le haut, les mains, les coudes vers les hanches, hein. Anytime, the elbows must go to the hips, don't go outside, and you have to grab your hold, your sword as much as you can. Aïe, aïe, nee. Ok. Le deuxième kata s'appelle Kesa Tachizuke. Donc le Kesa, je vous rappelle, c'est l'habit que portent les moines zen qui est attaché d'une épaule à la hanche opposée. Et l'habit trace une diagonale entre l'épaule et la hanche opposée. Et c'est sur cette ligne qu'on fait les Kesa Gili. D'où le nom. L'habit du moine s'appelle le Kesa. Voilà. Donc, regardez bien. Le partenaire va faire Shomen Uchi en partant de Asso. Je vais aller tout droit prendre le contact sur le coude et ensuite venir croiser le sabre. Et je tiens bien là, comme dans le deuxième kata, qu'avec le pouce, bien droit, bien positionné. Je vais sur ma droite, donc je vais prendre le contact avec le bras gauche du partenaire. I go on my right side. So I take the contact with the left elbow of the partner. But I don't go outside. Okay? I go forward and after, I go a little bit outside.
Kesa Tachizuki. Aïe, aïe. Et après, on peut repousser un peu. Allez, vraiment cette sensation de bien venir envelopper. Pensez toujours à mettre du poids dans la pointe du sabre. Take care of that. You have to put all your power in the tip of the sword. Aïe. Et on retient. Allez. Faites attention au regard. Pensez à regarder le partenaire, pas avoir le regard trop dispersé. Hein? Toujours le regard du partenaire sur le partenaire. Aïe. Tenez fort, tenez fort. Et on revient. Aïe. Voilà. Donc, Kesa Tachizuke. Le troisième s'appelle Do Tachizuke. Do, c'est le flanc. C'est cette partie. Donc, quand le partenaire attaque, ce n'est plus Shomen Uchi, mais c'est la sensation de venir un peu pour contrôler l'épaule du partenaire, ici. Alors, pour empêcher que je puisse me servir mon sabre, l'autre sabre vient ici. Hein? Donc, le mouvement est vraiment un peu Yokomen, si vous voulez. Voilà. Donc, le mouvement est ici. Et quand Tori fait la technique, je tourne légèrement pour casser le sabre, sans chasser, puisque c'est Zuke. Et ensuite, je reviens sur la ligne. Je descends, je viens contrôler les mains, et ensuite, la gorge. Je viens casser les mains, la gorge. Toujours en passant des mains à la gorge, pas directement du sabre à la gorge. On passe toujours par les mains. Voilà. Donc l'attaque va arriver, on sort, je reviens sur la ligne, les mains, bien droit dans les hanches, bien fort sur les appuis. Trois temps. Aïe, aïe, pum, mei, sang. Aïe, aïe, mei, sang. Bien concentré, bien concentré. Kihatsuitai, Kihatsuitai. L'esprit, le corps, bien concentré. Aïch, mei, sang. Aïch, mei, sang. Aïch, mei, sang. Voilà, Do Tachizuke. Le quatrième. Moi, je l'appelle Jodan Kote Dome. Maître Inaba, c'est Gedan Kote Dome. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est le mouvement à l'opposé du premier. Sur le premier, je prenais contact avec la main gauche du partenaire. Là, je viens prendre contact avec la main droite du partenaire. Faites attention à la tenue du sabre. Ne tendez pas le doigt. Fermez bien vos doigts, sachant qu'il y a une garde ici, donc je ne peux pas tendre le bras ici, le doigt. Hein? Take care when you move. Keep anytime this contact. Hein? And this contact from Shomen Uchi. Don't move your hands on the wood. When you have a contact with it, don't move it. You keep it until the end. Hein? On ne bouge pas les mains sur le sabre. Donc, comme tout à l'heure, je lance le sabre de l'autre côté. Et je viens me cacher dessous. Et ensuite, je repousse le partenaire. D'accord ? Donc, il y a plein d'évolutions. Quand moi, j'ai commencé, il fallait que le contact soit ici. J'ai vu Maître Inaba prendre le contact un peu sur toute la longueur du sabre. Ça dépend un peu où se trouve le partenaire. Voilà. Le mieux, c'est de bien ressentir la puissance du partenaire et la vôtre aussi. Aïe, aïe, bien. Et on reprend. Je vais tout droit, hein, tout droit, tout droit, tout droit. Je ne sors pas des lignes. I don't go outside of the line. I remain go sous la ligne. Je blibe, birdie, my partner's ligne. Et relâchez bien la tête. Relâchez bien la tête. Mais.
Aïch! Attends, je me suis trompé, excusez-moi. Aïch! Mais! Aïch! Mais! Allez. Aïch! Mais! Bon, le plus important, c'est d'arriver sous les bras du partenaire. Donc une détermination, c'est pour ça que ces katas se font normalement en marchant, de façon à avoir de la vitesse. Au départ, on les fait sur place, et après, bien sûr, on peut prendre un peu de vitesse. Pour le moment, on reste sur place. On verra si dans la semaine, avec la place que l'on a chez nous, on peut se déplacer un peu. Allez, aïch ! Mais ! Allez, aïch ! Mais ! Allez, descendez bien sur les appuis, bien droit. Aïch ! Mais ! Gedan ou Jodan Kote Dome. Tomeru en japonais, ça veut dire arrêter. J'arrête la main. Tout à l'heure, c'était contact, c'est la même chose. Voilà. Le cinquième kata s'appelle Kiho Dachi. Alors, j'ai travaillé un peu. Et Kiho Otsuku, Kiho Otsuku, ça veut dire surprendre. D'accord ? Et Dachi, donc c'est le sabre qui surprend. Voilà. Donc, le partenaire vient de toute façon un petit peu de côté. Je fais la même chose. Le partenaire, lui, va essayer d'aller très vite, justement, pour me surprendre. Et moi, en tirant le sabre, je viens sortir de la ligne de danger. Okay. Voilà. Donc, un jour, je sors la jambe arrière. Je viens me placer. Et je ravance. Kiyo Tachi. Kiyo Dachi. Kiyo Otsuku, c'est surprendre. Bien attention, donc le partenaire lui va attaquer avec légèrement de biais. Vous venez droit en faisant Kurai Dachi. Aïch! Mais! Sans! Souvent le départ, c'est Kurai Dachi. Aïch! Mais! Sans! Aïch! Mais! Sans! Kiyo Tachi. Hein, pensate. Kiyo Otsuku, surprendere. Kiyo Otsuku, meins, ich will mein Partner überraschen. Mit mein Schwer, Kiyo Otsuku, Überraschung geben. Aïch! Mais! Aïch! Mais! Sans! Ok, voilà. Le tour de repos, on souffle un peu. Et on va les reprendre une fois dans l'ordre. Et après, je ferai le partenaire pour que vous fassiez la technique avec quelqu'un en face. Hey, Seigan. Taloni Uniti, Heels Together, Talons joints, Ferset Susamen, Relax, Ichinotachi. Ichinotachi, union de l'esprit et du corps, vraiment cette sensation. Plus on pratique, plus ça doit être extrêmement important. Ne pas penser, ne pas prévoir le futur, simplement le geste. Seigan, Mugamae. Allez. Men omote tachi zuke. Aïch! Mais! Men omote tachi zuke. Aïch! Mais! Men omote tachi zuke. Men tachi zuke. Aïch! Mais! Kesa tachi zuke. Aïch! Votre sabre va sur votre gauche. Les talons sont joints. La jambe arrière est légèrement décollée. Et on reprend. Kesa Tachizuke. Aïch!
Punch! 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 Do tachizuke. Le partenaire attaque le flanc. Do tachiosa sukeru kole. Aïch! Ni! Son! Aïch! Ni! Son! Alors il faut bien, quand on est ici, bien marquer sur les mains et ensuite à la gorge. Comme si je voulais donner un revers de main sur les mains du partenaire. Aïch! Ni! Son! Bien positionné. Aïch! Ni! Son! Mugamai. Aïch! Ni! Son! Super, très bien. Jodan côté domé. Gedan côté domé. Je sais pas bien. Allez. Aïch! Aïch! Excusez-moi. Aïch! 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 Ok. Kyo Dachi. Le sabre qui surprend. Hein? Pensez bien à avancer la jambe arrière à la hauteur du pied avant. Sans que la jambe ne rebouge. Donc restez bien en bas. Aïch! Aïch! Nei-chan! Aïch! Nei-san! Aïch! Nei-san! Aïch! Nei-san! Aïch! Nei-san! Son. Aïch. Mais son. Ok. Voilà, maintenant vous allez faire Toli. Moi je vais faire Uke. Donc sur le mouvement. Quand je vais attaquer, les mains vont arriver là. Hop. Et je vais bouger en fonction de votre mouvement. Voilà. On commence le premier kata. Men omote tachi zuke. Je viens prendre la frappe à la position asso kamae. Aïch! Et vous me repoussez. Et le regard. Aïch! Neish! Aïch! Mais bien positionné, bien positionné. Aïch! Mais Kesa Tachizuke, hein, vous allez arriver là. Voilà. Asokame. Aïch! Kesa Tachizuke. Aïch! Kesa Tachizuke. Aïch! Et on reprend.
le, 4, le troisième Do Tachizuke de cette position, je vais venir ici et vous allez casser le sabre. Faut que je sente vraiment cette puissance dans la pointe du sabre. I have to feel your power in the tip of the sword. Aïe! Pensez bien, la frappe, les mains, la gorge. Aïe! 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 Le quatrième, Jodan Kote Dome. Même travail que tout à l'heure, hein, pensez bien à venir, bien relâcher la tête. Aïe! Mais! Aïe! Mais! Aïe! Nay. Ouch. Nay. Ouch. Nay. Ok. Le cinquième, Kyodachi. Mugamae, je vous rappelle, je sors la jambe. Je viens bien mettre le sabre devant moi et bam, je coupe. Voilà. Allez, on y va. Et moi, je vais faire la chose différente. Aïe, aïe, mais aïe, mais aïe, mais ouch! Mais! Ok, allez, on souffle 2 secondes, relâchez un peu et on les refait dans l'ordre. Aïe! Le départ, Ken contre Ken, c'est élégant. Quand moi je prends la position Asso Kamae, les deux jambes reculent. Quand vous, quand les Tori prend la position, juste la jambe avant fait un pas. Et la position est Mugamae. Voilà donc. Gedan Kamae, Asso Kamae, comme vous voulez. Et pour ceux qui font Mugamae, pensez à bien tenir le sabre. Sing to grab your sword as strong as you can. Molto forte, les mani devono essere sulla spada. Vorsichtig, die Hände müssen sehr stark sein. Die Finger müssen immer in Kontakt mit dem Schwert sein. Vorsichtig. So stark wie möglich. Hey, elle parle. Sega, on reprend. Sega. Men omote tachi zuke. Aïch! Mais Kesa Tachizuke. Aïe. Do Tachizuke. Aïe. Gedan Kote Dome. Aïe. Gedan Kote Dome. Kyodachi. Aïe. Nay.
Gaydan, côté Domé. Allez, mais Do Tachi Zuke. Aïch! Kesa Tachi Zuke. Aïch! Men Omote Tachi Zuke. Allez, on s'ouvre deux secondes. Allez, on reprend un petit peu la première série. Kihon, Dachi. On va faire que les quatre katas. Hein? Ashibara Yukibune, Kiriwari, Kashitsuki et Kurai Dachi. Allez, vous êtes prêts? On refait une fois tous ensemble la omote. Aïe. Aïe. Kurai Dachi. Je viens descendre. Comme si je voulais faire le Kesagiri. Le partenaire arrivant, je descends les hanches. La pointe plus basse que la garde. La garde plus basse que la pointe. Je change. Ensuite deux pas. Et Kesagiri. Voilà, mais vous connaissez tous. Donc, on est parti. Je fais. Ok, vous faites Tori. Aïe, Kamaete. Ashibara Yukibune. Aïch, Naïch. Aïchni. Je recule, bien ma position, Kurai Dachi. Je tends sabre, Kesagiri. On reprend, on se replace. Encore une fois. Ashibara Yukibune. Aïch. Recule, je tends le sabre, bien en bas. Ashibara Yukibune. Aïch, mani, sang, Kesagiri. Chiriwari, Shomen, Shomen. Aïch! Kesagiri. Chiriwari. Aïch! Kesagiri. Chiriwari. Kesagiri. Kaishitsuki. Je vous rappelle, sur le choc, c'est droit. C'est juste après le choc que je tourne. Vous ne tournez pas les mains avant le contact. Don't turn your hands before the contact. And it's my left hand which gives the power. C'est la puissance est dans la main gauche. The power is in the left hand. Alla potenza è nella mano sinistra. The craft is in my linker hand. Linker hand. Ok, ich muss mein linker hand so stark wie möglich drehen. Gardez bien le contact, la concentration. Kesagiri. Hein, quand vous avez fait Tsuki, hop, vous montez directement pour faire Kesagiri. Aïe. Kaishitsuki. Aïe. Kesagiri. Kaishitsuki. Aïe. Kesagiri. Kurai Dachi. Hein, je vous rappelle, ce mouvement, un léger mouvement de parenthèse cassée, choc, pour venir casser le sabre du partenaire. Aïe, aïe,
Que ça y est. Il faut vraiment que je sente la pointe arriver devant les yeux. Vraiment cette sensation prête à bondir. Vraiment ce travail où toute l'énergie part. Kurai Dachi. Kesagiri. Ok, on souffle deux secondes. Voilà. Allez, on refait les 5 katas de la première série et les 5 premiers katas de la deuxième série. Hein, we do the first, the 5 katas of the first série, first and after the 5 katas of Uradachi. La première série, Kihondachi. La deuxième série, Uradachi. Aïe! Ashibarayu Kibune. Aïch! Aïch! Kesagiri. Aïch! Kasu Itai. Faites bien attention. Bien vous concentrer. Aïe, Kiriwari. Aïe, Kesagiri. Kai Shitsuki. Kesagiri. Kurai Dachi. Kesagiri. Ok. Uradachi. Men omote tachi zuke. Aïch! Meich! Kesa tachi zuke. Aïch! Do Tachizuke. Aïch! Jodan Kote Dome. Kyo Dachi. Aïch! Ok. Voilà, on va terminer là par notre exercice de jambes. Shomen Uchi. Aïe, aïe, ni, son, chi, o, o, shich, ach, chu, chu, aïe, ni, son, chi, o, Ok, shich, ach, chu, chu, ach, ni, son, chi, o, ok, shich, ach, chu, aju. Voilà, eh bien, je voulais vous remercier vraiment de votre présence, de votre soutien. Thank you very much, all of you, for your presence, your fidelity, your friendship. Grazie mille a tutti, amici. Sono molto contento di essere vicino a voi. Vielen Dank, lieber Freund. Voilà, ich hoffe, alles in gesund. Et on se revoit demain à 15h.